Peggy 12. Historical facts are always something that we look at first, and it was something that spoke particularly to the team because they had family or ancestors who'd fought in World War I. On a épluché le conflit sous quasi tous les rapports, et puis on en a sorti des dates clés, des lieux clés, des batailles qui ont marqué tout le monde. On a appris énormément de choses. Ça nous a passionnés, ça nous a donné envie de transmettre aux jeunes générations, mais d'une manière plus accessible. From the beginning, we decided to put some authenticity in the game, and this choice allowed us to be able to work with the French Commission. L'équipe d'Ubisoft voulait vraiment un jeu réaliste, ancré dans l'histoire, et qui puisse faire appel aux sentiments des joueurs autour de ces destins dans la Première Guerre mondiale. That's why in the game we have what we call historical facts. When you are playing the game, sometimes you will have an info dedicated to something you did in the game. Avec des photos en plus colorisées de la série documentaire Apocalypse qui colle parfaitement à la palette de couleurs du jeu. Par exemple, à un moment donné, le joueur se retrouve dans Ypres, en Belgique. Ypres est sous les gaz à ce moment-là, c'est la première attaque de gaz, le 22 avril. On propose au joueur de regarder qu'est-ce qui s'est vraiment passé. Walt, the dog, he came more from a photo. I remember Paul telling me he found this photo of soldiers with a few dogs around him. Dogs were very heavily used in the First World War. I think there was like 30,000 of them used by the Germans. They were called casualty dogs or mercy dogs. They were very present in the trenches and they used to sort of comfort soldiers on death's door. We wanted to help the players to realize what the lives of everyone was at this time. On a en fait travaillé d'un côté sur le texte et le contenu historique du jeu avec la mission centenaire, de l'autre côté sur les photos avec Apocalypse. We would find and identify with them some of the archival material. Most of it came from the series Apocalypse. Quickly, we find that we can bring our documentation, the historical work, to the game that Ubisoft has produced. It's more than a game.